Bonjour, c'est Gadu et bienvenue sur Gadu Gaming pour l'épisode 9 du Let's Play de Raft saison 2 sur le dernier chapitre de Raft en compagnie de Rick, TVH et Farah. Coucou. Tout là-haut. Alors on va expliquer rapidement ce qui s'est passé au dernier épisode. On était coincé sur l'histoire d'ascenseur en fait, là sur l'île, je sais pas comment s'appelle l'île d'ailleurs en question. On voit Utopia. Utopia, voilà. Et en l'occurrence, on a essayé plusieurs combinaisons, on avait des problèmes en fait, c'est-à-dire que l'ascenseur restait tout en haut, il fallait mettre absolument deux caisses en haut, et en haut en fait on a que des 5 ou 6, donc en fait bah, on mettait soit 5-5, soit 5-6, soit 6-6. Et systématiquement ça descendait en bas, sauf que bah, vu qu'on avait deux caisses on pouvait pas en rajouter une, parce que je rappelle que l'ascenseur ne supporte qu'une caisse, que deux caisses maximum, donc en fait bah, dès qu'on en avait une caisse ça remontait tout en haut. Voilà, impossible de le faire descendre en fait d'une seule caisse. Et bien en fait on a redémarré le serveur, et là ça remarche. Enfin en fait c'est pas tout à fait vrai, on a redémarré une fois le serveur, ça marchait toujours pas. On a vidé toutes les caisses, on a redémarré et là ça a marché. Voilà, donc là en l'occurrence on se reprend. Cette fois quand on met une seule caisse de 5 ou une seule caisse de 6, et ben ça descend de 5 ou de 6. Et attends d'avoir deux caisses. Donc vas-y. Propose ton énigme alors. Donc t'as mis quoi? T'as mis un 5 là? Un 5. Oh. Ok. On met un 1, on enlève le 5. Ouais, donc là tu vas descendre que de 1, exact, ouais, ok. Stop! Bah ensuite, bon. Soit on a bon, ça, soit ne touche à rien, c'est bon, on a tout. Ne touche à rien, c'est fini. Hein non. Fini, non. Tu reposes le tournage. Ah non, parce que là, c'est que le premier étage. Excuse-moi, c'est que le premier étage. J'ai rien dit. Je dirais 4. Bon, puis on fait demi-tour. Oui. Bah sinon, on recommencera. Il n'y a pas de combinaison. On met un. Il y a très peu de combinaisons en fait. Non, on enlève un. Hop, on met 2. Voilà. On enlève 4. Ouais, et là, c'est pas mal. Stop, c'est bon. Non, c'est pas bon. Un niveau trop bas. Alors on met 3. Ouais. Oh putain. Et là faut remettre un. Et on enlève le. Et on enlève 2. On enlève 2 et c'est bon. Ouais, exactement. On enlève 2, c'est bon, ça va descendre de 2 et là j'ai besoin de 2 moi. Là c'est tout en bas. Ah bingo. Quasi en haut, quasi en bas, quasi truc. C'était bah oui, c'était la pire des combinaisons en fait donc. En fait faut haut bas, haut bas. J'ai un engrenage qu'on va pouvoir avancer. Je sais pas où je vais mettre l'engrenage d'ailleurs au passage. Bah là où ça. Ah, là, faut que je mange par contre. Ah, le problème c'est que si je mange. Oh, derrière toi, derrière toi. Mais non. Attendez, je pose. Voilà. Allez, allez. C'était lourd. Hein. Ah, mais le problème c'est que j'ai. On le reprend maintenant. Voilà, et je bois un petit coup aussi au passage. Et. Allez, Rick, on te regarde. Ouais. Non, je rigole, il y a le plateau. Oh non, faut refaire encore la merde là, non, merde. Insérer une roue dentée. Ici, sur le. Il est où, Gadu? Je suis en train de sauter derrière toi. Viens voir l'histoire au moins. Mais je suis en train de sauter derrière toi. C'est pas là qu'il fallait. Non, c'est moi. Là, je suis là moi. Ah bon, je reviens. Là ici, faut mettre la roue dentée. On récupère de l'autre côté d'ailleurs. Tu suis la corde. Vas-y, donc là si tu mets une roue dentée, ça va se balader effectivement de l'autre côté qu'on va y aller dans l'instant. Donc là, on l'appellera quand on sera là-bas. Ah, ça c'est pour rappeler, tu penses, la corde? La poignée. Oui. D'accord. Bon, les viewers qui ont vu ce truc là. Moi je suis passé en fait par là, tu vois, j'ai de le refaire, tu vois, Rick. Je suis passé par le côté droite. Tu passes par la droite, tu passes par la gauche. Absolument pas où vous êtes. Bah en fait, on refait le parcours en fait. Juste, c'est en haut des ascenseurs. Là, la merde, là, c'est la merde ça, les vieux. Est-ce que t'es où, Farah, là? Bah, je suis arrivé sur des passerelles comme vous. C'est là où c'est la merde. Bah, à la sortie en fait, on a. Ah oui, c'est là, c'est là, c'est là. Et si tu. Voilà, parfait. Il faut refaire cette merde. On a fait 3. Ah, franchement. Hein, quand vous vous êtes accroupi, vous vous sautez au-dessus des gros trucs, juste marcher. Vraiment, ne crois pas, juste marcher quand vous vous accroupissez et tout. Ouais, mais bien sûr, quand je m'accroupis, je cours pas, je peux pas courir. Oui, mais du moins quand t'es debout et que tu passes entre les trucs, tu ne cours pas parce que si tu m'écoutes pas. En fait, c'est en courant, tu glitches dans les trucs. Voilà. Ah, c'est ça, tu penses? C'est pour ça. Bah, je viens de faire le parcours instant sans me bloquer une fois. Sans courir entre les plateformes. Bon, s'il fallait faire un jump au-dessus d'un truc et obligé de courir, oui. Mais, comme ça, les petits et tout, c'est sans courir, ça marchait. Bah, Rick, il court. Ah, il commence à dégager, Rick, ça y est. Voilà. 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 Rick, il me dit non, c'est facile, regarde, t'as juste à sauter. Mais en fait, non, j'ai voulu faire comme TVH. Et du coup, non, c'est pas bien. Faut courir. Dernière. Pour moi, en tout cas, faut courir. Bah, moi, je dis, c'est glitché. Trop lentement, sinon. Regarde ça, hop, voilà. Oui, après, je suis pas un pro comme Rick, d'accord? Tcha. Hop. Allez! Putain, j'ai réussi à passer. Oh putain, non, c'est pas fini. C'est pas fini, c'est bon, j'ai réussi à passer. Ah non, c'est pas fini, oh putain, c'est pas fini. Non, la merde, non, vas-y, encore une merde là, non! Allez, on va sprinter. Hop là. ça, ça sent le carnage, vous allez voir. Hop. Mais ils sont où? Ils sont où? Mais ils sont où les... J'ai rien dit. Tu passes juste pendant le truc, on va dire dessus. Ah putain, non, 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 mais il est parti où là? Il faut juste rester accroupi. Rester accroupi tout le long. Non, c'était le truc juste avant en fait, où tu sais, tu passes en même temps. Non. Putain, hey, faut chier, y'en a 4 d'un coup à passer, vous déconnez quoi. Hein? Y'en a 4 d'un coup quoi. Tu vois le truc qui tourne vite, en fait il s'est fait taper derrière la nuque et il est parti. Ah c'est bon, il a été éjecté vers la mort, d'accord. Je l'ai vu. Ah ouais, mais faut prendre son temps. Et dis-toi, au moins il est pas tombé en dehors du filet, hein, c'est déjà ça. Oui. Voilà, bien, bien, allez. Oh non, 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 la coupille. Ah, ouais, ah, bien, ah putain, ah putain, ah putain, ah putain. Ça passe, ça passe. Le sport du jour. Putain, oui, ça déconne. Colle-toi bien à gauche. Pour moi, c'est glitché. Pour moi, c'est pas autre chose que ça. Bah, il est où ça? Nickel, allez. Ouais, voilà, c'est là que je me dis. Là, accroupi. Comment on voit pas les... Comment ça, accroupi? Mais là, t'attends, tu mets-toi au bord, accroupi jusqu'au bord, et là, t'attends que ça passe au-dessus de toi. Et après, tu sautes. On sprint. Après, tu sautes. Oui, mais faut se relever avant. Faut se relever, faut sauter, faut sauter. Tu fais les deux en même temps quoi. Putain, ça a merdé, c'est encore ça. Voilà. Et tout de suite accroupi évidemment. Et là tu veux faire quoi là? Et là faut sauter de... Là c'est facile là. Là attends, tu passes sur la gauche ou par la droite? Ah tu passes sur la gauche, voilà d'accord, ok. Ok, donc là tu vas... Tu peux aussi par la droite, moi la première fois je suis passé par la droite, c'est juste plus long. Ah moi je vais par la gauche. Voilà, ouais, voilà. Maintenant viens jusqu'à nous. Voilà, wow, bien, bah, tu vois. Et là, maintenant, tu tires la petite poignée là. La chevillette. Oui. Et là, tu vas voir, ça va venir. Voilà. Il y a un truc radioactif qui arrive. Alors, pour les viewers, je vous montre quand même le truc de merde qu'on vient de faire là. Voilà, je vous le mets en plein écran. Et si tu veux, on peut te pousser. De toute façon, il y aura ça sur la miniature. Moi, je te le dis parce qu'elle m'a tellement fait chier. Non, non, je sais pas s'il y aura ça. Et donc, le marteau était là. Vous en faites ce que vous Gadu, le marteau était là, juste à côté de la roue dentelée dont on n'avait pas besoin. C'est quoi le rapport avec la roue dentelée? On n'en a pas besoin, il y en avait déjà une ici. Ah bon. Regarde, elle est toujours sur le plateau, regarde. Non, là, il marche pas. Par contre, il est où Farah? Ça a réparé le mur, tiens. Farah Farah nous attend à la sortie. Farah est au bateau. Moi, je suis au bateau, moi. Allez, on y va. On retrouvera Farah en bas. J'ai plus de 12 de... Bah moi il me reste, je viens de boire, je suis à la moitié, il me reste une dose, après c'est fini. Du moins en boisson, après j'ai des pastèques. Ah bah les pastèques c'est peut-être t'arranger. Oui parce que... Non, oh il y a des cages. On a encore des caisses. Encore falloir sauter. Oh non, vas-y non. Et c'est où l'accès? C'est pas ici. C'est là, c'est ici là. Mais attends, il y a un problème là, c'est que là déjà il y a trop haut. Faut les mettre devant, ouais, c'est ça. Ah, merci. 2, 1, 2, c'est bon. Il est où? Très bien, vous avez fait votre choix. Bienvenue à Utopia. On voit Farah là-bas. Où est-il? Là, regarde, il a déjà retourné le radeau, on est prêt à partir. Ah oui, il est là-bas, effectivement. Ouais, si vous voyez mal les vieux, mais il a marché ici. Oh putain! Sortez de la zone rouge! J'ai un pirate dans la zone rouge là, Gadu! Je suis plus dans la zone rouge là, c'est bon. Si, t'étais dedans. Et après on fait quoi là? Parce que là il y a des caisses. Faut monter le voir. Là il y a des barils, là, je pense qu'il va falloir les faire péter. Le mec il fait sauter sa zone. Par contre ça dure longtemps les flammes. Ouais, c'est ça. Après faut faire quoi alors du coup? Parce que pour moi c'est pas clair du tout ce qu'on va faire. Faut faire un escalier jusqu'à lui. Le quoi? Mince. Un escalier? Dérouillage, excusez-moi les vieux. Oh, j'ai trouvé une pièce. Faut pas par là, quoi, non, faut pas passer par là. Non, faut en fait récupérer les caisses et monter jusqu'à lui. Attends, un peu le petit truc à la gueule là, sur là, comme ça, des flèches là, des... Non, ouais, c'est encore un niveau dessus là, vous avez besoin. Fais gaffe, t'es dans une zone rouge, Rick. Parce que par contre moi je comprends pas, excusez-moi parce que moi je suis en hauteur, mais alors en fait où je suis c'est sécure hein, où je suis. Hein. Sauf que ça nous sert à quoi? Tu serais pas à côté de lui par hasard? Non non je suis sur la maison en fait derrière vous là, voilà. On peut pas lui tirer dessus. On est tranquille quand on est sur la maison là. Là j'ai ramassé un jeton là, t'as pas ramassé un jeton? Non 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 moi je regarde juste... tranquille c'est de monter. Les caisses elles sont... Hop là, des jetons encore là-bas. Oui mais il y a des caisses à ramasser. Il manque une caisse. Mais je cherche les caisses en même temps. Vas-y Rick, pose les caisses. Oh, je regarde ta bouche. Il y a une caisse là-bas là. Il y a une caisse là, j'ai une caisse là, j'ai une caisse là. C'est la caisse de tout à l'heure. Poulie de tyrolienne électrique. Bon, on va pouvoir remonter les... Je suis pas avec ma caisse. Il a un épisode de retard, Gadu. Vous avez plus besoin de caisse? Non. Ah non, on est monté, on l'a fait fuir. On peut maintenant, on a un cheval de tyrolienne électrique, donc ça veut dire qu'on va pouvoir remonter les tyroliennes. Ouais. Incroyable. Farah, tu peux apprendre la tyrolienne vu que t'es sur le radeau, s'il te plaît? Ouais, attends, parce que j'ai un requin. Putain. Alors, tu recules et tu sautes. Putain, sans blague, quoi. Il a, je lui a lacé les chaussures entre elles. Il n'y a pas besoin, normalement c'était bon, non? Bah oui. Grand sac à dos, ça je veux bien, moi. Carré de terre avancé. Je l'ai fait la Minecraft. Quoi, ça bouge plus vite? Non, c'est ce que Gadu avait acheté. Ah oui, c'est un intérêt parce que j'ai jamais voulu les acheter. Ok. Il y a une caisse cachée, là. Récupérer caisse, boulon, verre et tout ça. C'est pas grave. Non, c'est pas tout à coup, là, il s'est illuminé derrière, là. Et c'est la salle où on a galéré au début. Illuminé, désilluminé. Non, c'est plus lumière, c'est illuminé. Utiliser clé d'entrepôt. Ah bah tiens, ça s'ouvre. C'est bon, Farah. Et là-haut, il y a quoi? Il y a la salle de cache. Maintenant, ici, là. Wow. Putain, c'est sur le... C'est sur le bateau royal, là, encore. La tarte aux fraises. Oh oui, ça sent... La porte est verrouillée de l'autre côté, ok, ça pue la fin. Bon bah... Pue la fin qui pique. Bon, on y va. À l'attaque. À l'attaque. Bonsaï. Oh. Putain, elle est en train de me grailler, celle-là. Attends, elle est en train de traîner. Genre. Oui. Non. Ta gueule, ta gueule, ta gueule. Vous lirez le texte, les vieux, parce que j'ai pas le temps de le lire, ce qui se passe. Ok. Oh là, il y a des gros yeux dans les cages. T'as vu les gros yeux, Gadu? Ouais, il y en a partout, effectivement. Ouais. Faut monter contre le mur. Et ici. Oh putain, ah ouais d'accord, ça sort en fait direct, ok. 10 minutes. Et puis il rebalance encore des bombes. Bah grimper en haut où je suis, hein, mais sauf que j'arrive toujours pas compris qu'est-ce qu'on est censé faire en fait. Faut juste sortir en fait. Il faut... Merde, j'ai vu... Putain, non. J'ai vu... Je vais m'en remonter, parce que j'ai... On a des caisses, et là on fait quoi avec les caisses là? Faut remonter où? Faut les monter dans mon lèvre. Ça marche. Putain, si je peux ça. Oh putain, j'ai dégraillé par une hyène. Dégage, lâche-le. C'est bon, il est mort. D'ailleurs, je vais prendre sa viande et sa tête peut-être. Ça ne sert à rien, j'imagine, c'est pas grave. Allez, fuite. Il nous faut encore une caisse au-dessus. Attention. Non, j'ai vu le flèche. Attends, parce que là on est pas mal en fait là. Non, il faut encore une caisse au-dessus, ça? Encore une caisse. J'arrive. Il y a une caisse là, il y a une caisse là, j'ai la caisse. Oh attends, tu l'as pris pour moi. Oh putain. Attention, ça va péter derrière nous là. En fait, c'est pas bon, j'y suis. Il nous faut encore une caisse à... Voilà. Bah c'est bon. Voilà. Ok, c'est bon. On va peut-être ouvrir les portes là, pour demi-tour. Il y a des caisses à récupérer. Ouais, là, des vraies caisses avec de la ferraille, des boulons, des trucs comme ça dedans. Je viens de récupérer ça. On loot avant. Moi j'ouvre les portes. Il y a encore une glacière de l'autre côté, Gadu. Une glacière. Où t'étais là? Ah oui, effectivement là-bas. Bleu, Gadu Gaming. Ok. Et par contre, excusez-moi, j'ai enlevé un peu d'affaires qu'il y a sur moi. Un jeton là. Qui me sert à rien, notamment des jetons là. La pelle elle me sert à rien, voilà, on va s'acheter le truc. Lui qui m'agresse, oui il faut garder les restes, l'autre il dégage des pelles et tout. Je voudrais juste montrer comme au viewer voilà, la reine d'où on était, voilà c'est un peu... Et c'est un peu la mort. Toutes ces hyènes avec de la terre? Bah c'est ça. Bah, tu savais pas que les hyènes ça bouffait de la terre? Vu le nom, il n'y a plus de terre. Hein. Bah c'est pour ça qu'il n'y a que du métal, ils sont sûrs que ça graille pas. Oh, c'est joli. Ah ouais putain, ouais, par contre il fait nuit, c'est ça qui est un peu dommage. Bon, oh, une petite pièce, j'attends les distributeurs parce que là il y a... C'est sympa, ça fait une ambiance. Moi il y a un truc qui m'embête beaucoup par contre, c'est que niveau boisson, je vais être très mal. Tu veux manger un peu de pastèque? Non, non, bah au niveau bouffe ça va, c'est la boisson là qui me fait chier. Ça donne plus de boisson les pastèques. Oh putain je suis tombé, oh putain je suis tombé, merde. De toute façon ça tombe bien, c'est là où il faut aller. C'est la reine finale. C'est ça. Avec la grosse nienne. Ah, il y a le collier de disto. Faut lui mettre la chaîne. On vous tue. Attends, ne bouge pas. Attends juste déjà qu'il réagisse, qu'il fasse quelque chose, parce que là en fait il fait rien. Plus fort. Tu veux qu'on fasse quoi? Elle est mutante, elle a pris des radiations. Tu crois? Elle est toute verte. Il y a une tortue ninja. Faut pas lui mettre le collier là? Pour ramasser ça. Ah, ça provoque des flaques d'acide. Ok, ah oui. T'appuies dessus, ça marche pas? Attention. Faut pas rester trop dedans. Moi ça fait penser à Bless quand ça fait ça. Allez, invincible. Faut peut-être lui faire détruire un truc, attends. Tout en pot. Peut-être qu'il faut qu'il nous saute dessus et puis qu'il tombe sur les chaînes peut-être. Oui, là. Ça me paraîtrait évident en fait. Tu sais, comme le requin là. Amène le verre ici là. Non, mais il a juste des phases d'invincibilité et des phases où il meurt. C'est bizarre. Il a un corps et un mental dessus. Et les chaînes ça va rien alors? Sauf je viens. Oh Fabo. Oh merde. Ça va Rick? Non, il faudra me bouffer. Bah attends, on tape dessus. Je voulais juste... non, il est invincible là, quand il fait ça, il est invincible. Quand il est radioactif, il est invincible. Là, il est invincible. Oh, il balance des bombes en plus. Ah non, c'est de la bouffe. Ah, il balance des cailloux d'acide. Ouais, exact. Ah puis ça, ça sort pas vite, les trucs. C'est moi qui cherche, là. Non, je le vois de loin. Là. Ok. Pour un fou, j'ai de balles dans peu de temps. Hein. Là, je pense que... parce que limite les armes vont péter. Bah, mange des pastèques, j'ai plein de pastèques. Bah, file des pastèques alors, mais faut que j'ai derrière toi. Attends, d'être sécure, attends. Oh putain. T'es mouvant. Il vient jusqu'à moi. Tiens. Merci. Ouais, ce bâton ayant soif, on va éviter. Ça va m'aider, merci. Hein. Je vais manger aussi les viewers, je voulais c'est qu'on me régène. Je suis à la moitié de ma vie pour info. Putain, c'est moi qui mise, le salaud. Je vois bien qu'il est en train de viser. Il me visait ce salopard. Il est sur TVH là. Non, il est sur quelqu'un d'autre. Chez moi, bientôt. C'est pareil, je suis mal. Je suis vraiment mal. Ah, la vie remonte pas là, pourtant je suis... Farah, l'ambulance viendra. Bah, ah si, moi ça remonte, mais tout doucement quoi, tellement doucement que on va se faire avoir. Ça remonte passivement très doucement, genre pas si t'as bien. Merde, je suis tombé. Ah. T'es tombé, t'es mort? Ouais. Putain, merde, bah ouais, bah là. Il est possible qu'on recommence, bah à moins qu'on arrive à. Oh putain, on l'a eu! Putain, on l'a tué, putain, merde, et Rick est pas là, fait chier, franchement ça fait chier. C'est pas grave. Tiens, bien joué les gars. Eh non, mais c'était un coup, hein, un coup de lance, hein, moi j'ai foutu un seul coup de lance, c'était fini. Ah. Bah ouais, mais je venais justement d'y mettre plein de coups dans la tête là, mais... Bah ouais, attends, bah c'est... J'ai pris trop d'acide là. La vie remontait pas surtout, c'est ça qui était chiant, j'avais tout à fond. Faut te ramener dans un lit, on peut faire un lit ou pas? Je suis à fond là, hein. La bouffe à fond, la flotte à fond, et mais la vie remontait pas. Ça remonte aussi doucement. Attends, je ramène... Moi ça remonte actuellement. Hein. Je ramène Rick. Tu ramènes sur le lit? Oui. Et par contre en revanche... Il aurait fallu ramener le radeau. Pour Farah en fait, ça aurait été beaucoup plus intéressant que... Qu'on y aille tous ensemble cette fois. Le problème c'est qu'il y a encore les sauts à faire à la con là. Non. J'ai mis un checkpoint. Ah y a un checkpoint, d'accord, ok. Il y a des checkpoints partout en fait là maintenant? Actuellement oui. T'es parti où là? Parce que là il y a la zone centrale là. Je descends. Parce que s'il y a que des checkpoints, Farah tu viens aussi hein. On va tous faire la fin ensemble maintenant. Bah attends. Ça c'est logique non? Non tu veux pas qu'on fasse ça ensemble? Moi je suis un petit peu dans le coin, en revanche, j'ai rien appelé le décor, parce que je suis là, parce que ça qu'on n'a pas le temps de visiter les vieux, en plus il fait jour, donc je vous sais quoi, je vais prendre les 2 minutes que vous allez mettre pour revenir, parce que vous allez mettre 2 minutes pour revenir, attends, on peut pas être en troisième personne en portant quelqu'un? Non. C'est débile. Du coup vous êtes coincé? Si vous avez... ramenez de la flotte, s'il vous plaît. J'ai 2 bouteilles d'eau vide sur moi, c'est ballot, mais si vous avez de quoi ramener de la flotte, allez-y, parce que là... Alors, je vais te donner le lit le plus confortable qu'on ait. Et là, il faut juste aller en face, les viewers. Merci. On va attendre. Ah, enfin, bien tendu. Ah, tu viens aussi, Farah, cette fois. Il y a plus de jump à faire, donc... C'est quoi ce bruit, là? Putain, j'entends la flotte d'ici. Oui, oui, oui. Bon, s'il vous plaît, ramenez des bouteilles d'eau, en fait, simplement. J'ai 2 bouteilles vides, mais ramenez... ça devrait suffire, parce que de toute façon, j'imagine que là, c'est la fin, donc... ça. Supposition, on verra bien si j'ai raison ou pas. Donc... Voilà, ramenez juste des bouteilles de... Enfin, une ou deux, même une pour deux, ça devrait suffire en fait, hein. 2-3 doses, ça suffit. Hein. Parce que je mange mes pastèques, moi je suis bien, hein. C'est pour être sûr quand on sait jamais qu'il y a un autre truc derrière, quoi, c'est pour ça. Je vous attends à l'arrière du... Ils sont mignons, les petits yeux. Bon, bah moi je suis devant, donc y a plus qu'à, niveau 36. Moi je suis là. T'es là où ça? Bah bon, non, on te suit TVH, parce que là moi j'avais la tête à l'envers, j'ai pas tout vu. Oh... En même temps, je me suis un peu jeté du haut du truc. Ah, et pour les viewers, vous remarquerez que je sais pas s'il comptait développer des photos. Je sais pas s'il fait de la photographie, mais dans l'arène, en tout cas, il a mis que de la lumière rouge. Peut-être rien à voir, hein, mais. Ah, putain, je pense qu'il voulait faire de la photo au début, et puis, en fait, finalement, il a décidé de faire un stock de yens qu'il a laissé enfermer. Un stock de yens à la photographie. C'est bien parce qu'ils sont sages. Non, mais j'imagine que les yens, enfin, lui, c'est ce qu'il a dû se dire, quand elles sont rangées dans la cage, elles consomment plus de bouffe. C'est pour ça qu'il les range toutes dans des cages. Ça consomme moins. Je vous en prie. 23e étage. Ding. Une petite musique d'ascenseur. Bah, tu peux la voir sur ton radio. Parti. Bon, n'empêche, qu'est-ce que vous foutez? Vous y êtes ou pas? On est là dans 2 minutes. Même pas, moins. Il y a clairement un changement d'ambiance. Vous avez vu les viewers qu'on passe de l'un à l'autre? On passe de c'est éclairé, c'est sympa, à tout devient dark et il fait rouge. Non, les effets lumineux sont intéressants. Par contre, j'ai l'impression encore une fois qu'il y a une ville entière, mais qu'en fait on utilise juste un bâtiment. C'est plus accueillant quand il fait jour. Donc on s'est battu là-dedans. Ouais, mais l'ambiance était mieux, quoi. Ouais, là où il y a les yens et les caisses. Alors, au moins, les combats ils sont là, tu vois. Ah, là, c'est une ambiance de fin, là, voilà. Alors que tout à l'heure, c'était une ambiance de combat. De merde. T'as l'impression d'être dans The Forest. Après avoir bougillé tout le monde, t'arrives dans le... Moi, je pensais qu'il était invincible le boss, moi je tapais même pas dessus, je tapais sur la fin parce que je voulais taper dessus. Et là faut aller en... J'ai fait le boss solo. Ou presque. J'ai eu pété quasiment ma machette entière sur lui. Bah moi il me reste une longe, j'ai quasiment rien mis donc... Mais il y a la musique, hein, t'as pas besoin de la musique. Il est là. Quel est cet endroit m'appartient. Joli, hein. C'est ça qu'il a, s'est fait une petite classe, quoi. Oh. Allez, bye bye. Il est tombé. Il a un peu encore là. Voilà, il est toujours là. Quelle la clé de prison, toi. Bon. Il est en dessous. Outils en titane. Oh, tous les outils, donc flèche, épée... Crochet, hache en titane. Ah bah alors, ça va nous servir pour la fin. Ah, il est suspendu à l'enchère. J'avais vu d'ailleurs, hein, comment ça s'appelle un truc similaire à ça en fait. C'est un petit poisson qui est sur le bord d'une petite rambarde comme ça. Il y a quelqu'un qui passe, il le voit en train de bouger, il le prend et dit tiens, t'inquiète pas, je vais te sauver, je te mets à la flotte. Il le jette, et en fait il le jette pas assez loin. Du coup il tombe 2 étages en dessous, pan sur le béton. Ah, c'est marrant, non, parce que je trouve ça chiant pour le petit poisson. Si, voilà, c'est drôle sur le coup, mais ça reste marrant, mais c'est abusé. Voilà, on va dire ça. Il y avait d'autres trucs à loot là? Non, il y avait que le schéma et les coins qu'il y avait. Par contre, on a 78 pièces et on avait aussi la clé de prison sur son cou. C'est quoi là ce qu'il y a en dessous là? Ah d'accord, le outil en titane. Et bah, Cassos? Oh bah. Allez, bye bye. Alors, t'es en train de me dire qu'on débloque les outils en titane? Alors peut-être qu'on a fini le jeu, ça? Comme beaucoup de jeux. Non, ça veut pas forcément dire que c'est la fin. Exactement, ce que j'espère. Ah, bonjour. Ah bah... Ah, une caisse. Et là, je pense qu'on a débloqué, voilà, on a débloqué quelque chose pour pouvoir... Voilà, c'est un checkpoint. Et on est à la prison. Et on est... Libérer les gens, on va faire la fête. Et on verra ça tous les deux. À la prochaine vidéo. Allez, bye bye. Non, peut-être pas non plus, vas-y, débloque. Faut que tout le monde soit là. C'est bon ? Y'a qui dedans en fait? C'était une télé? Pas une télé là. Ah, cinématique. Putain, y'a une cinématique dans Raft maintenant. Ah, c'est que des screens. Ils zooment et dézooment. Et affrontent les dangers de ce monde inondé. Avec eux, l'espoir revint. Pourtant, aujourd'hui, Utopia prospère à nouveau grâce à eux, fière et libre. C'est l'IA, notre ultime chance de renaître de nos cendres, la route sera longue. C'est là notre... c'est pas l'IA. Désormais, nous sommes tous des éclaireurs. Notre destination sera celle de l'humanité entière. Alors les gars, vous vous souvenez, mais moi je retourne sur mon radeau. Ouais, mais alors attends, avant de retourner sur ton radeau, bah, je sais pas pourquoi tu vas sur ton radeau d'ailleurs. Que... bah non, notre radeau. Tu vois, ils s'installent où on se casse. Ils sont tous sur des radeaux différents. Oula, il y a des gens tous les uns dans les autres. Il y a du monde. Ouais. On peut parler à des gens qui ont des animaux. On les tue. On les tue. Il y a des distributeurs. C'est pas top. On peut parler à Timur, à Zayana, on peut leur parler en fait. Qu'est-ce qui se passe si on leur parle? La déco merdique. Récupérer objet. On peut récupérer des mangues, des bananes. Où ça? Partout. Ah là, dans les caisses. Les bananes. On peut en récupérer beaucoup. Oh, il y a Olof. Ah, objet, tiens. Mangue, ouais, exact. Par contre, les gars, j'ai juste un problème. Vous viendrez voir Olof qu'on a enfermé dans la cage. Il y a des piments, il y a de l'ail, il y a tout ça là. Il est où Olof? Là où je suis. Moi j'ai embarqué une cage, j'en ai rien à faire. Mais c'est les épices qui m'intéressent, ça vaut le coup du cul ça, les épices. Juste là où je suis. Vas-y, il y a un distributeur à ça. C'est vrai? Ah, ça m'intéresse beaucoup alors. Je récupère du poisson. Gadu, du poisson pour toi. Au fond, derrière toi Gadu. Regardez. Derrière moi, tout au fond. Enfin, par contre, il y a deux choses qui m'intéressent. Yeah. Distributeur tout au bout, t'as des épices. Moi, je vois quand même, il y a un problème sur Olof. Tu vois, on l'a enfermé, mais il y a un problème. La jambe cassée. Non. Il a des bâtons de dynamite. Moi, il y a deux choses qui me gênent. Je sais pas où c'est qu'il est enfermé, et je sais pas où sont les distributeurs. Bah j'ai pas bougé, genre on est tous devant le mec enfermé. Ah, les distributeurs ils sont là. Viens, suis-moi. Voilà. Donc il est enfermé mais avec des bâtons de dynamite. Bah non, moi j'ai pas des bâtons de dynamite, il est enfermé tout court. Et si, il est en bas sur son torse. Ah oui. C'est pas des bâtons de dynamite, ça c'est des trucs pour faire de la lumière. C'est des pétards. C'est des pétards pour le 14 juillet. Et les décos sont pas folles. Bon, donc il y a lui, d'accord. Ensuite, il parlait des distributeurs. Excuse-moi, Rick, parce que du coup, j'écoutais pas. J'étais concentré sur celui qui est en cache. Donc, les distributeurs qui sont au bout, t'as dit. T'es aveugle ou quoi? Bah oui, je suis aveugle. Ah, t'es là-bas là. Ah, j'étais à l'autre bout. Ah, t'es là, cherche pas. Hein. Ah, je te vois là-bas, donc tu dois me voir. Donc, il y a un distributeur là et deux là. C'est pour ça que quand t'étais à côté du distributeur, je t'ai dit derrière toi au fond. Voilà. Avant que tu bouges, justement. Que t'ailles faire le tour, n'importe où. Plus je joue, plus je gagne. Ah vas-y, continue. Hein. Non, je vais m'arrêter là, je pense, c'est déjà pas mal. J'ai vidé un peu les poches, j'ai du truc. Ah, 10 pièces de dépensées, t'as vu, il y a un succès. Oui. Vous l'aviez pas? Attends. Non, elle l'avait pas, sûr. Oh, il est où le bateau là qu'on se casse? Oui, vous faites ce que vous voulez, nous on se cache. Hein. Voilà. Bon, ok. On n'en prend pas plus à des trucs là? Oh, putain. Il nous reste combien de sous? 71. On en dépense ou quoi alors? Bah, c'est fait pour être dépensé. Sans compter. Hein. Après, on aurait pu acheter le piano à. Vous auriez pu acheter le piano quand vous étiez à la bulle. Parce qu'il y a un jeu de piano. Et on peut jouer du piano. Dans le distributeur, il y a un piano? Oui, sur Tangaroa, donc le dôme. Bah faudrait qu'on y retourne, le problème c'est que... bah tiens, ça c'est juste pour prolonger le jeu quoi, franchement. C'était avant la mise à jour. Hein. Donc faut peut-être pas déconner. Oui. Après ça peut être un tout petit piano, un piano de poche. Oh non, il attaque le filet, dégâts. Bon, il a pris le filet. Tiens, où est-ce qu'on se barre d'ici, putain? Bah, saute. Pareil, moi. Je suis au bateau. Ah merde, j'ai touché seul. Attends, j'essaye moi. Ah, c'est bon. Donc il y a la flèche en titane, le crochet en titane, l'épée en titane et la hache. C'est bien de nous offrir une épée. Et ils ont donné l'adresse du distributeur de titane. La carrière de titane. La carrière est comme pour créer plus de plantes. Permet d'agrandir considérablement votre inventaire. Bah, c'est pour ça qu'il y a des bouts de fusée en fait, c'est pour récupérer le titane qu'il y a dessus. Bon, par où on va par contre, parce que là moi je suis paumé là. Bah, on retourne au bateau. Le radeau il est à côté des plans de à ramasser là. Des... de terre, ouais. Ouais, là je suis en train de nager, attendez, je suis à côté de la pompe. Oh, on a passé de laine, je voulais faire un grand sac à tout. Voilà. Bon, bah ça c'est fait, il reste encore des tas de terre à enlever. Je sais pas si en dessous il y a autre chose que des bestioles. Non, mais... pas les insectes. Bah, j'imagine que non, j'imagine que c'était random. Bah, j'imagine, même pas sûr que ce soit random. Voilà, bon, et eh ben nous voilà revenus. J'allais dire sain et sauf. Heureusement que TVH m'a ramené un peu de boissons et de mangue et de pastèques, excusez-moi. Ouais. Parce que sinon, je suis sûr qu'il est parti fouiller dans ma cuisine. Je suis sûr qu'il est parti dans ma cuisine. Non. Il a vidé ma cuisine, je suis sûr. Voilà, je savais. Ça, c'est pas normal. Je viens d'entrer un instant devant toi de cuisine. Il a vidé ma cuisine. Oh, pauvre chou. Bon, bref, les viewers, bah écoutez, on a fini en fait. Oui. Ah, c'est super malheureux. Enfin, moi, je trouve ça malheureux, je devrais. Oui. En revanche, on sait que on peut faire autre chose aussi. Avant que j'oublie d'en parler, on peut passer en mode créatif. Alors, est-ce qu'on va faire grand chose avec? Je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, ça mérite d'exister. Rien que parce que ça existe, et ben, j'ai envie de le faire. Je sais pas où j'ai mis tous mes ingrédients là, tous mes ingrédients. Mes épices, elles sont là. Ah, c'est pas les mêmes épices, putain. Excusez-moi. Il y a ces épices là que j'ai ramassées. Je vais faire un grand sac à dos. Bon, tant pis, j'en fais un solo. Sur ma partie. Je vais mettre de côté. Bon, voilà. On a de quoi encore aller voir le vendeur, hein, le marchand. Sauf que là, il n'y a rien qui va passer. Là, c'est qu'est-ce que je fais avec tout ça, moi, là, sans déconner, là. Bon, relevez-moi ça, s'il vous plaît. Voilà, on va faire ça. Moi, pour que tout passe dedans. Donc, au final, le coffre d'échange est devenu un coffre monstrueux à bordel. Parce qu'il y a tellement de trucs dedans que c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il est en train de cuire? Qui a mis ça à cuire? Putain, il a mis des bons poissons. Il a mis des bons poissons à cuire. Mais on en a déjà 20 dans le stock. Non mais c'est des poissons pour faire des recettes, ça. Tant pis, ça cuit. Comment ça 20 dans le stock? Attends, mais d'où il sort? D'où il sort? Du marché. Moi j'ai pensé à toi, regarde, je t'ai ramené un beau truc. Non mais tu me pointes pas des doigts comme ça par contre. Je vais mettre ici dans la fenêtre. C'est cadeau, c'est pour toi. Attention, attends. C'est un poisson mort. Attends. Non, c'est beau. Non mais c'est une déco. Prends du recul. Non, c'est là. Voilà, c'est pour toi, Gadi. Quoi? Ah, le Kling Kling là. Ah, c'est pas mal. Avec des bouboules. Ouais. Bon, c'est juste que c'est un peu mal placé, je t'avoue. Ici, tu vois, il y a mieux. Place-le ailleurs. Ouais, je déplacerai plus tard. Enfin bon, bref. Pour les viewers, on va ranger tout le bazar et on va passer en mode créatif, mais ça sera pour la prochaine vidéo pour vous. Parce que je pense que là on a fait à peu près le tour, du coup on a fini le jeu, enfin clairement... Je suis un peu déçu, je vous avoue que je reste un peu sur ma faim. Je sais pas, ça m'a semblé tellement pas une fin en fait. Ouais, la fin du chapitre 2 ressemble plus à une fin que... Là. Exactement, oui. Là c'était bon, bah ok, on a chopé Olof là, et c'est tout. Les gens et maintenant pour repartir d'un nouveau point de départ et au final tout le bazar juste pour choper Olof comme ça. C'est ça que je veux dire en fait, c'est ça qui me gêne, tu vois. On a risqué notre vie juste pour l'enfermer. On est trop des gentils. Ouais, bon, bref, après chacun apprécie ça comme vous voulez, vous mettez dans la description, en commentaire si vous avez trouvé ça sympa ou pas. Et surtout si vous connaissez Percubaba aussi au passage. Pour ceux qui connaissent Percubaba, et c'est de la balle. Putain, c'est de la balle, merde, moi je le connais, tu vas pas dire que c'est plus en Bretagne quand même ça. Oh, je suis... Qui est-ce qui a pris les commandes du bateau, putain? Il est en train de tout casser. Il est en train de tout casser. Bon bref, on va se laisser ici, puis du coup on va se dire à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, bye bye. Allez, bye bye.